Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin, même certaines choses simples peuvent constituer une menace dans notre conversation, vous allez le voir ici. 1. Un texte. 2. Une règle de grammaire sur le texte. 3. Un vocabulaire important. Vous voulez vous débarrasser de vos soucis de français, vous avez un bon pas, ici, vous améliorez vos quatre compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé en DEF et TEF, d'immigrer au Canada, ou dans tout autre pays francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smarmin. Maintenant, c'est parti. Texte. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. Le premier tour des élections régionales en France n'a pas passionné, mais les informations de RFI en soulignent deux particularités. D'abord, le faible taux de participation. Ensuite, les résultats du Rassemblement national, le parti d'extrême droite, qui sont plus faibles que ce que les estimations envisageaient avant le scrutin. En particulier dans le sud-est de la France, dans cette région qu'on appelle PACA, P-A-C-A, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, ce parti, même s'il est en tête, est talonné par le résultat de la liste qui arrive en deuxième position. RN et LR, c'est-à-dire Rassemblement National et Les Républicains, RN et LR dans un mouchoir, c'est le titre d'RFI, dans un mouchoir. Parfois, on dit même dans un mouchoir de poche. Et c'est une expression qui indique que deux concurrents sont très proches l'un de l'autre, parfois difficiles à départager. Et cette formule, elle n'est pas nouvelle, parce qu'on la trouve dès le tout début du XXe siècle, dans le monde du sport, pour les courses de chevaux, pour les courses cyclistes. À une époque où, bien sûr, on ne filme pas encore les compétitions. Alors parfois, on peut avoir du mal à distinguer qui a gagné, qui le premier a franchi la ligne d'arrivée entre deux chevaux ou deux vélos qui se tiennent. Et les deux premiers sont comme renfermés dans le même espace qui est minuscule. C'est bien l'image portée par ce mouchoir de poche. Parce qu'un mouchoir de poche, ce n'est pas grand. On dit depuis longtemps « grand comme un mouchoir de poche » pour dire tout petit. Hein. Oh, il a un jardin grand comme un mouchoir de poche, à peine s'il peut y faire pousser deux tulipes et trois tomates. Mais il y a d'autres médias et d'autres articles qui ont pointé la déception du Rassemblement national en alléguant parfois que certains dans cette formation s'étaient réjouis un peu vite. Comme si pour eux, au moins dans cette région PACA, c'était « dans la poche ». Voilà une expression que j'ai lue et que j'ai entendue. Et cette expression clignote avec la précédente « un mouchoir de poche », mais pourtant avec une évocation tout à fait différente. « C'est dans la poche », c'est-à-dire « c'est gagné ». Le succès est assuré. Et parfois d'ailleurs, on l'entend dire en anglais, enfin dans un faux anglais qui en rajoute sur l'accent français, c'est « in the pocket », comme un anglicisme pour rire, quoi. Mais on dit toujours cela avec un petit peu d'avance sur l'événement, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le domaine de la présomption, de l'hypothèse, même si elle est forte, et la réalité parfois peut démentir la belle assurance qu'on avait. Et d'ailleurs, fréquemment, on utilise la formule pour montrer que quelqu'un s'est réjoui trop vite. Il a cru que c'était « dans la poche », et il a déchanté devant les résultats. Alors attention, dans la poche n'est pas dans sa poche. Dernière locution qui renvoie souvent au monde du spectacle. On parle de mettre le public dans sa poche. Lorsqu'un artiste, par exemple, sur scène a séduit l'assistance, il comprend qu'il la tient sous son charme, un bon mot et tout le monde va rire. Et puis de façon plus large, on met quelqu'un dans sa poche quand on le fait se ranger à ses idées. Hein. Il a mis le juge dans sa poche, c'est-à-dire que bon, le juge il est de son côté maintenant. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous trouverez peut-être utile d'avoir au moment où vous devrez l'utiliser. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire. Pour soutenir votre conversation, nous voulons vous montrer ces facteurs et vous pourriez avoir à nous aider à augmenter cette influence vidéo pour continuer à vous atteindre, toujours et atteindre d'autres personnes et les aider. C'est très important pour vous d'améliorer votre carrière et d'augmenter vos chances d'immigrer au Canada. Ensuite, cliquez sur l'icône en forme de cloche et inscrivez-vous en cliquant pour vous abonner. Grammaire. L'interjection, on regroupe dans la classe des interjections les termes qui permettent l'expression d'un sentiment, soulagement, agacement, surprise, ouf, le travail est terminé, je n'avais, hélas, plus rien à lui dire,
reproduisent un bruit, on les appelle les onomatopées. Il mit un pied sur la glace et boum, l'interjection est un terme autonome, qui n'a pas de fonction au sein de la phrase. Il peut jouer à lui seul le rôle d'une phrase. Ainsi le grammairien André Gousse réunit les interjections avec certains mots, classés traditionnellement comme adverbes, tels que merci, bravo, oui, au sein d'une même classe, celle des mots-phrases. Vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smarmin. Guide du exercice. Croix dans un mouchoir de poche, dans la poche, dans sa poche. Activité 1. Le mot dans l'actu, écoutez le début de la chronique, jusqu'à 0h51, et soulignez ce que vous entendez. Régional présidentiel, le premier tour des élections en France n'a pas passionné, mais les informations de RFI en soulignent deux particularités. Point d'abstention de participation, d'abord le faible taux, ensuite les résultats du Rassemblement National, le parti d'extrême droite-gauche, qui sont plus que ce que les estimations envisageaient avant le scrutin, en particulier dans le sud et sud-ouest de la France, dans cette région qu'on appelle PACA, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. Eh bien, ce parti, même s'il est en tête dernier, est talonné par les résultats de la liste qui arrive en deuxième position, RN et LR, c'est-à-dire National, et les Républicains, les Révolutionnaires RN et LR dans un mouchoir. C'est le titre de RFI, regroupement rassemblement de fort faible, activité 2, les expressions avec poche, écoutez la chronique à partir de 0h51, et terminez les phrases, 1. Quand deux concurrents sont dans un mouchoir de poche, leurs résultats sont très proches, très éloignés, 2. Au début du XXe siècle, on utilise l'expression dans un mouchoir de poche dans le domaine du sport, de l'école, de la politique, 3. À cette époque, on ne filmait pas les compétitions. On avait donc du mal à voir qui gagnait, participait, faisait une faute. 4. L'expression grand, comme un mouchoir de poche, renvoie à quelque chose de vraiment immense, plutôt grand, tout petit. 5. Les résultats des élections régionales ont déçu le Rassemblement National. Pour eux, c'était dans la cloche, dans la poche, dans la Porsche. 6. On utilise l'expression c'est dans la poche quand on est sûr de perdre, de gagner, de participer. 7. On dit même in the pocket avec un accent français, confiant, assuré, exagéré, fait exprès, inconscient, involontaire. 8. Les expressions dans la poche et dans sa poche ont le même sens, un sens différent. 9. Quand un artiste met le public dans sa poche, les spectateurs sont déçus. Ils se sont ennuyés, contents, ils sont sous le charme, sollicités, ils sont invités sur scène. 10. Mettre quelqu'un dans sa poche, c'est le convaincre de ses idées, faire changer de style vestimentaire, le considérer comme inutile, sans intérêt. Activité 3, le réca, avez-vous mémorisé les expressions de la chronique? Retrouvez les bons mots. Quand deux concurrents sont presque à égalité, ils sont dans une manche, un mouchoir de poche. Être très petit, c'est être grand petit, comme un mouchoir de poche. Quand on pense qu'on va gagner, on dit, c'est dans ça la poche. Réussir à séduire ou à convaincre une personne, c'est la mettre dans ça la poche. Correction, activité 1, le mot dans l'actu, régional, le premier tour des élections en France n'a pas passionné, mais les informations de RFI en soulignent deux particularités, d'abord le faible taux d'extrême, qui sont plus que ce que les estimations envisageaient avant le scrutin, de participation, ensuite, les résultats du Rassemblement National, le parti, droite, en particulier dans le Alpes-Côte d'Azur, eh bien, ce parti, même s'il est en position RN et LR, c'est-à-dire mouchoir. C'est le titre de RFI, la France, dans cette région qu'on appelle PACA, pour Provence, est talonnée par les résultats de la liste qui arrive en deuxième nationale, et les Républicains RN et LR dans un sudet faible de tête. Rassemblement, activité 2. Les expressions avec poche, 1. Quand deux concurrents sont dans un mouchoir de poche, leurs résultats sont très proches. 2. Au début du XXe siècle, on utilise l'expression dans un mouchoir de poche dans le domaine du sport, 3. À cette époque, on ne filmait pas les compétitions. On avait donc du mal à voir qui gagnait. 4. L'expression grand, comme un mouchoir de poche, renvoie à quelque chose de tout petit. 5. Les résultats des élections régionales ont déçu le Rassemblement National. Pour eux, c'était dans la poche. 6. On utilise l'expression c'est dans la poche quand on est sûr de gagner. 7. On dit même in the pocket avec un accent français, exagéré, fait exprès, commentaire. Et parfois, d'ailleurs, on l'entend dire en anglais, enfin, dans un faux anglais, qui en rajoute sur l'accent français. 8. Les expressions dans la poche et dans sa poche ont un sens différent. 9. Quand un artiste met le public dans sa poche, les spectateurs sont contents. Ils sont sous le charme. 10. Mettre quelqu'un dans sa poche, c'est le convaincre de ses idées. Activité 3, le réca, quand deux concurrents sont presque à égalité, ils sont dans un mouchoir de poche.
Être très petit, c'est être grand, comme un mouchoir de poche. Quand on pense qu'on va gagner, on dit, c'est dans la poche. Réussir à séduire ou à convaincre une personne, c'est la mettre dans sa poche. Utilisez les commentaires pour rédiger vos questions. Très bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire de mieux pour vous aider. Je te verrai au prochain. Au revoir.